50. 150 à... Alors trouver la moula quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai pas envie de jouer ça. Oh, j'ai pas envie de jouer. Oh, j'ai envie de... Oh, y a combien de scouts? Oh, j'ai envie de resign. J'ai littéralement envie de resign. J'ai pas la force, clairement pas la force. C'est la première game de la journée, je me tape cette daubasse là, sérieux? Quel enfer! Have been toxic to Aladushek? What? Did I play against Aladushek? Les trois scouts qui se suivent. Oh là là, j'ai pas envie de jouer. Oh, j'ai pas envie de jouer, c'est terrible. J'ai pas envie de jouer cette map de merde. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Regardez-moi ces blaireaux. Pourquoi ils se suivent? Ah oh ouais, mais il a 3 aigles, ça va être infâme. Je sais pas ce qu'il veut l'autre avec Ola du chèque, j'ai limite pas qui c'est en fait. Salut à tous, salut à tous. Comme vous pouvez le voir, c'est la première game de la journée. Et bon. Il est où mon troisième scout? Vous pouvez le voir, je suis en galère ultime là. Parce que je joue une map de merde. Première game de la journée, je joue ça là. Bonne mère, hein, comme on dit dans le milieu. Madre mia. Je pense qu'on traquage, j'ai aucune chance de gagner. Il start avec 4 eagles. Ça sent pas très bon hein. Après je pense que je vais faire un fast up time. Enfin, un fast up time. C'est relatif du coup. Oh. Il m'attaque. Ah, il est sérieux là? Il veut pas s'acheter une vie cet enculé. Ah ouais. En vrai, donc, si j'achève sur ses aigles, est-ce que c'est pas... ça me dérange peut-être pas en fait. En vrai, je clique. Comme ça, mes scouts ils vont aller à l'attaque. Oh.
Donnez-moi. Comment ils bug les coquins là. Je pense que la méta c'était FC en fait sur cette map là. Genre FC avec une caserne et une écurie je pense. Hein. Oh, j'ai pas d'or. Oh, c'est un seubel ma base là, c'est du grand nap ma base. Et toi tu vas là. Moi je suis host encore. De la crise. Quel enfer sur terre hein, cette map de mort. Hein. J'ai pas prêt à jouer cette merde là. Et full wall! Oh l'enfer! C'est vraiment full wall, mais y'a aucun fun en fait. Yo à tous, yo à tous. J'ai encore la crève un peu, ouais. Bon, hier quand je jouais contre Jordan, à un moment je me suis étouffé pendant la première game. On va peut-être dû mettre pause. Mais bon, hein, c'est pas grave, hein. C'est la vie quoi. Ou pas. Moi je dis boum. Dans sa musette là.
Et 8 alors, en vrai c'est pas trop 8 alors. C'est pas un mauvais chiffre. Peut-être un peu à la stone. Tu wall ou pas encore? Hop là. Attendez, mais il a wall toute la map. Je m'en rends compte là, mais il a tout wall en fait, c'est un Forax. Oh. Elle va juste cliquer rédemption. Ça va le mettre bien, cliquer rédemption. Marché, ça aurait pu être cool en vrai. Bon, ça va être le problème, hein. C'est que j'ai franc maintenant. Une cible bien éclataxe. Oh, j'ai une écho pour jouer paladin. Ouais, peut-être un monde où je joue paladin, genre un truc de malade. Hein. Moi je dis. Petite université, moi je dis hop.
Je vais faire ça, il va me falloir des petits hand canonniers. Y'a qu'à mieux que d'élite. D'élite. Holy moly. T'es pas fait un petit atelier de siège là? Pas un petit trou dans sa base là? Thank you.
Oh, peut-être qu'il va ouvrir la porte lui. Non, tu veux pas ouvrir la porte, mec? Oh, c'est insupportable ça. Faut plus de fermiers, je pense. Y'a un trou derrière la porte. Y'a un trou là. Ah non, y'a pas de trou. Ça, par contre, ça fait du bien. Vous me shootiez le mec qui répare là? Oh bah y'a personne qui taffe. Ça va récupérer 7 or hein. Sinon ça va être un gros problème à la ferme. Pardon. Routine. Nice. Merci, merci, GG à tous. Et du coup, oh, thank you, bro. Moi, toi et table dans un bain moussant. What the fuck? Ok, I'm up for it. Thanks, bro. Ça va, bah ça va, oupsi, ça va, malgré la défaite hier, ça va. Ça va, je me suis amélioré et je me suis amélioré, c'est-à-dire que j'ai atteint les Decider alors que la fois d'avant c'était juste le truc avant les Decider. Je m'améliore tout le temps, mais c'est le problème quand on est, on va dire, ambitieux et qu'on a envie de gagner, quoi, c'est jamais assez, quoi. Genre, réel, les gars, je me serais qualifié, je serais sorti premier tour, je serais tout autant déçu, hein, je vous le dis, hein. Je serais dégoûté. Hein. Je serais allé en demi-finale, j'aurais perdu, ce serait encore pire. Oh le bon poupi, merci beaucoup mon bon poupi pour les subs. Est-ce que j'ai raté d'autres subs par hasard? Laissez-moi check ça, normalement j'ai entendu qu'un wololo, mais ça se peut que j'en ai raté. Non c'est bon, bah, je vous remercie, merci beaucoup, merci encore poupi. J'espère que tu n'es pas trop déçu, un peu, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ne vous en vouloir trop que pas assez malgré la frustration, ouais c'est vrai. Après c'est un peu le problème, hein. Je l'avais dit, c'est que je suis quelqu'un, j'adore la compétition, je veux tout le temps gagner et tout. Et quand tu perds, genre au moment où tu dis GG, tu te mouves au fond de ta chaise et t'es un peu en mode bon. Bah pendant un mois, je vais voir le tournoi
je me suis pas qualifié, auquel je me suis pas qualifié. Et le tournoi d'après, il est peut-être dans un mois et demi ou 2 mois, tu vois. Donc c'est un peu chiant. J'arrive au game, ouais. Mais le pire, c'est que la game 1, je me rends pas compte que Jordan est all-in, pour ceux qui ont vu. Je me rends pas compte. Pour moi, il a... En fait, c'est terrible. Hein. Mais vraiment, la game 1, je suis mort. Parce que je pensais qu'il aurait mieux joué. Vraiment. Parce qu'en fait, dans ma tête, il allait faire de l'économie. Et du coup, il pourrait pas me rentrer dedans. Parce que n'importe quel joueur fait de l'économie dans cette situation. Mais lui, il a raté parce qu'il a abuse market. Il a quasiment le même timing que moi en abuse market. J'étais trop bien. Mais ça, je peux pas le deviner. Moi, je vois pas son marché en tant que joueur. Je vois pas qu'il est un TC. Et au final, je pense que c'est quand je rentre dans son économie que je vois aucun TC là. Et à un moment, je dois me rendre compte et me dire, oh là, faut s'arrêter, faut acheter un château, faut passer impérial. La game 1, c'est passer impérial plutôt en macro mieux parce que macro était pas ouf. J'étais un peu stressé. J'étais pas hyper. C'était la première game, je sais pas. C'était pas aussi smooth que j'aurais voulu. Même si je passe un peu impérial un peu plus tôt en venant mon gameplay, j'ai gagné. Je réalise qu'il est all-in, j'ai gagné direct. Je prends aucun risque, je campe chez moi. Mais ça, je l'ai pas vu. La deuxième, j'ai cru que Khmer, ils avaient Atonement sur les moines. Si c'était le cas, j'avais win la game, c'est sûr, j'avais le milieu, j'avais les reliques, c'est archi win. Mais du coup, ils l'avaient pas, et du coup, j'étais obligé de faire Lightcap, Crossbow contre des moines. Et du coup, la game est bizarre. Je m'en veux d'avoir, de pas avoir check l'arbre des Khmer. J'étais sûr à 100% qu'ils l'avaient, ils l'avaient pas, c'est terrible. Et la troisième, je suis allé faire un mur forward alors que c'était assez ouvert. Bon, bah ça c'était une erreur, il a bien joué. GG, tu vois. Mais pour moi, il y a deux games que j'aurais dû win et que j'ai trop. Et ça, quand vous êtes un compétiteur, c'est horrible. C'est horrible. Quand vous dites, j'avais deux games où j'avais fait l'effort de gagner, de prendre le lead et tout. Et tu trolls à la fin, t'es en mode. C'est horrible. C'est horrible parce qu'au final, c'est toi qui perds la game plus que lui qui la gagne, quoi. Et ça, c'est chiant. En vrai, tu chopes le timing sur les mineurs de pierre, tu avais le GG. Ouais, peut-être, bon, après.